Tu sais pas. Tu crois, tu sais pas. Mon visage, tu regardes, hein? Lèvres grosses, comme femme accouche. Œil de nuit, peau olive, nez serpent, et tu dis étranger. Mais tu sais pas. C'est-à-dire, qu'est-ce que. À quoi je dois renoncer ou qu'est-ce que je dois mettre un peu en demi-teinte, en veilleuse, pour être ici heureux comme j'étais là-bas, au fond. Et je trouve que c'est une belle question. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois m'adapter sans perdre ce que je suis. Mais évidemment, en essayant d'être à la fois moi-même et en même temps heureux. Devant nous, une petite femme. Bonjour, et répétons-nous tous, bonjour. Ces premiers mots que comprend Jean, la française langue. Et alors, je regarde à gauche, un Africain très haut. Puis je regarde vers droite, un Chinois, très bas. Puis devant, je regarde en direction la matinée. Où est mon frère? À droite était pourtant. Et là est toujours, à droite, debout. Alors qu'avant, seconde avant, les Chinois, très bas, voyais-je, les Chinois, que maintenant mon frère cache par son corps. Mais souris, mon frère, d'un sourire naïf. En l'époque, là, je ne comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, je sais. Quand le mot bonjour, dans ma tête, j'ai compris, avait disparu, mon frère, d'à travers de mes yeux.